Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et, avec de la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « Envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. »